J'ai trouvé une pièce d'or rose comme ça, avec le profil d'un roi. Une pièce d'or, tu t'affiches de moi? Bah non! Attends, reviens! Ce matin, Antonia est descendue faire ses courses. C'était le jour de la vente sauvage, la vente des militants. Elle n'était pas la seule, il y avait toutes les femmes du quartier. 1000, 2000, une marée de femmes. Quand tout à coup, les flics, la police des marchés. On confiche, on confiche tous, c'est interdit. Toute cette marchandise du bon Dieu qui leur passe sous le nez. Ça les a mis dans une rage, elles ont du rouge. Ah, c'est comme ça, ils nous prennent tout. Eh bien, on va au supermarché et on leur donne les zombies à nous faire le mépris des militants. Elles vont au cortège au supermarché et elles vendent. Vous êtes folle, ce n'est pas à moi qu'il faut vous en prendre, c'est la direction qui décide des rabais. Et les augmentations qui les décident. La direction, bien sûr, le commerce libre, non. La concurrence aussi. La libre concurrence, oui. Alors, il n'est pas mal dit. Cette fois, ça suffit. Vous allez vous faire le même prix que les militants. Vous auriez vu le gérant, il était vert. Vous êtes folle, j'appelle la police. Mais quelqu'un avait eu l'idée de couper le téléphone. Il a voulu aller dans son bureau, mais les femmes l'en ont empêché. Pour finir, il a mis la marchandise au même prix que les militants. Tout à coup, la police. C'était une fausse alerte, heureusement, mais les femmes avaient toutes détalé. Il y en avait qui lâchaient leur paquet et d'autres qui se mettaient à pleurer. Du calme, vous avez la colis qui a été par les flics. Mais bon Dieu, il y a mieux à faire, faut pas payer! Comment faut pas payer? Mais on a déjà payé! Ça compensera tout le fric qu'ils nous ont déjà pris depuis le temps qu'on fait les courses chez eux. Antonia a réfléchi, elle a résisté un peu, puis elle a recommencé son marché. Et tout le monde... On est vus! Entre-temps, la police, la vraie, est arrivée pour de bon. Les jambes des femmes tremblaient, mais il n'y en a pas une qui est flanchée. À un moment, à un signe des ouvriers, elles sont sorties du supermarché avec des mines si honnêtes. Elles sont passées entre les ouvriers qui avaient formé des cordons, vraiment très enthousiasmant, surtout parce qu'ils avaient fait tous ensemble quelque chose de juste, les hommes et les femmes. Ouais! Il faut bien payer le gaz, l'électricité, le loyer, n'en parlons pas, ça fait 4 mois que je n'ai pas payé. Moi non plus, j'ai plus d'argent, ça fait 5 mois que je paye pas le loyer. Tu vas l'emporter chez toi? Non. Si, voyons. Qu'est-ce que j'ai acheté? Mélange de bio pour chien et chat. Graines de millet pour canard. Des milliers de graines pour canard. Heureusement que je n'ai pas payé dans la pagaille. Tête de lapin. Je me collerai la tête. Tête de lapin surgelée. Des têtes de lapin pour surgeler. Tu savais pas surgeler les têtes de lapin? Non. C'est ça que tu voulais que j'apporte? Non, c'est pour les poules. Tu as le temps de tout cacher? Oui.
tu veux. Mais vas-y, vite. Oui. Ma parole! Je lui fais avaler! Oui, je sais, tu me l'as fait avaler, la fête dans le choix. Non, d'abord je te tue! Quoi? D'abord je te tue, je demande un divorce! Sinon, à propos, le viscère a mangé. Mélange de viande pour chien et chat. Mais je suis pas un chien. Je suis un chien. Je suis de moi. Ah mon bateau, tu vas jamais faire les courses. Tu ne sais pas jusqu'où les prix ont grimpé. Je suis pas un chien. Je refuse. Je refuse de manger ça. Oh, j'ai une idée. Je pourrais te faire de la soupe. Bah oui, il n'y a pas de souci. La soupe quoi? Avec des graines de millet pour canaris. Tu peux moi? C'est très bon le millet. C'est très bon pour le diabète. Écoute, j'ai pas de diabète. Et je refuse. Je suis ni un chien, ni un canari. Mais c'est délicieux le millet. Le secret, Giovanni, c'est le bouillon. J'ai acheté des têtes de lapin. Têtes de lapin. La soupe au millet se fait avec des têtes de lapin surgelées. Bien. Bon, ben, je vais aller chez Marcel. Hein. Eh ben, bon appétit. Merci. À propos, tu te parles de 20 euros, 30 euros. Quoi? Bah, 30 euros, 20 euros, pour avoir l'argent. Quel argent? Quoi, tu vas pas me dire que t'as déjà dépensé ton salaire et le mot? Faut bien payer le loyer, le gaz, l'électricité. Tu préfères qu'on nous expulse? Non, le gaz. Non, non, on me crève de faim, genre, fait de lumière. Je m'en occupe. Je vais chez Marguerite, elle a fait plein de courses ce matin, elle va me dépanner. Je t'en supplie, ça peut bien avoir. Non, juste les pattes, tu vas dire. Moi, voilà, mais moi, il me Eh, tu calmes, monsieur, c'est mon travail, moi.
Regardez, puisque vous ne mangez pas. Allez, relivez-moi cette saloperie. Mangez ça. Prends bien. Eh bien, vous préférez peut-être une bonne soupe de millet. Non, merci, je ne veux plus jamais avoir la pomme. Vous préférez des têtes de lapin? C'est moi? Qui aurait très fort. Monsieur, si vous en êtes là. Vous savez, pour moi non plus, c'est pas facile. Ma femme tire le diable par la queue. Et vous savez, je les comprends, ces femmes ce matin. Je leur donne raison. Vous leur donnez raison? Ah oui, j'en ai marre de faire les perquisitions dans le quartier. Pardon, c'est pas précadier. Brigadier. Brigadier, oui. Brigadier de police. Hé! Chef, chef! Je suis en haut, montez! Excusez-moi, mais la grosse idée, vous n'avez pas de vous n'avez pas de votre dans votre métier. Vous avez choisi, vous, de continuer ces saloperies? Vous n'avez pas le choix. Ah, mais en plus, j'avais pas le choix. J'ai des diplômes, moi, monsieur. On a terminé, chef, nous. J'arrive. Au revoir. Et bon appétit. Ils sont venus ici. Ils... C'est pas ce qu'ils veulent. Ils font une maison par maison. Oui, je sais. Et leur trouver. Bah non, pourquoi ils auraient trouvé quelque chose? Non, mais non. Enfin, je veux dire, quelquefois, s'ils étaient ici, ils mettent des choses chez eux, ce serait pas la première fois. Ça se trouve pas, non. Je peux te parler, il était fourré des trucs. Thank you.
seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Thank you.
Oh ma fille! Salut Frangine! Oh! Ça va? Salut ma fille! Salut! Oh! Je suis excitée aujourd'hui! Au revoir! Alors, regarde, ça va? Je vais alors, comment ça va? Regardez comment vous le trouvez! Bon, ça va, mon bébé! Mais rentrez-toi, 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 mais rentrez-
Ah, Thank you.
pour aller, tout ça. Et je voudrais bien savoir, mais où tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça? Dans un quartier de Décines. J'ai trouvé une pièce d'or grosse comme ça et que le profil d'un vol. Une pièce d'or? Tu te fiches de moi? C'est super, mais il faut que je vous dise. Ah oui, c'est vrai. Le loyer, n'en parlons pas, ça fait 4 mois que je ne paye plus. Moi,
bien tout dire, écoutez, ça comprend les affaires en même temps. Non, c'est après qu'il faut faire. D'accord. C'est après qu'il faut faire. Qu'elle comprend pas, là. Oui. Allez, continuez, c'est bien. C'est ça, non, je ne suis pas compris. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Que c'est la marchandise à moitié volée? Il me tuera? Non, il faut que je fasse ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté? Viande? Mélange de viande pour chien et chat? Graines de lier pour canari. Des lier pour graines de canari? Heureusement, je ne l'ai pas payé. Je me serais cogné la tête. Tête de lapin surgelée. Tête de lapin surgelée? Tu savais pas que surgelée tête de lapin? Bon. Pour enrichir la pâtée des poules.